Salut, station fréquence, les bonnes soirées 51 bouteuses de la part de Dindy 33. Donc on est le vendredi 26 mai 2017 et c'est parti pour le QSO national du 15-27. Ok, j'espère que c'est pas trop grave. Non, absolument pas. C'est privé personnel, mais c'est pas question de maladie ou pour sa famille ou pour lui. Non, c'est pour un petit truc que d'autres te diront peut-être, mais moi, je n'ai point à dévoiler ses secrets. Il ne me l'a pas demandé, mais apparemment, tu n'auras pas de choix. Ok, bon, d'accord, je vois, j'ai une petite idée, quoi. Ouais, non, mais j'ai une petite idée puisque je l'ai eu là, je l'ai eu depuis en fréquence. Il y a bien, il m'a parlé d'un truc il y a à peu près une semaine et demie. Ouais, j'ai ma petite idée sur la question. Oui, le break. Ah. 73 stations. Michel, tu plaides quoi? Hachis trois coups, les 73 Eric, content de t'avoir ce soir en fréquence. On devrait normalement avoir une autre personne là bientôt, là, le temps qu'il arrive à son QRA. Peut-être que c'est déjà, qui est déjà, j'attends un petit peu pour voir. Oui, le break, les bandes 73, Ludovic. Florent, sur les hauteurs de Guéribonc, sur les hauteurs de chez moi. Pour les 73 à tous, Florent en push mobile avec le 9009 et avec une ML145. Voilà, 73 à tous, Michel. Ok, j'avais qu'à regarder le signal aussi. Et désolé pour la confusion, ça avait été très bref. Les 73 à toi, c'est du 57 là de mon côté, là au QRA. Ok, retour Eric. Eh bien, j'ai l'impression, oui, parce que même Luculuc, qui doit être je suppose, en écoute derrière, se met via attends que je regarde. Non, il n'est pas encore arrivé. Lui aussi, visiblement, a eu des infos comme quoi tu serais pas là ce soir. C'est ce qu'il a marqué, moi, sur Facebook. Ah non, j'ai jamais dit qu'il ne serait pas là ce soir. J'ai dit, je le risque, c'est possible, mais c'est pas officiel, hein. Ouais, ben c'est bien ce que j'avais compris aussi. Ouais, ouais c'est celui-là de. C'est le samedi, je crois, là-bas, là où tu vas. Hein. Ouais, là où je vais aller, ouais. C'est le mardi soir. Et je vais y aller faire un tour demain après-midi pour voir, comme ça,
donc ouais, c'est bon. C'est bon, donc je vais faire l'acquisition. Voilà, il faut qu'on se voit, et puis voilà, quoi. Pour quoi, tu sais, de vie aussi, que tu sais de quoi je parle. Voilà, je vais faire un petit essai, je vais mettre une autre antenne, une plus petite, pour voir si ça passe, bien. Hein. Je relâche, là, je vais le temps de le brancher. Ok, c'est les 57 là au QRA, c'est enregistré pour moi. Oui, et non. Un, deux. Ok. 1, 5 de tous. Ah, j'étais bien là, hein. Salut. Ah, t'es en train de manger? Ok, ça marche, à tout à l'heure. Ok, tu mettras ton téléphone à l'horizontale. Vas-y, tourne-le à l'horizontale. Ok, ah ouais, voilà, génial. On te voit là. On te voit sur la caméra. Ouais, tu verras ça sur la vidéo. Ouais. Ok, ça marche. Ouais, à tout à l'heure, Gilles. À tout à l'heure. Pour faire de la route, le caddie à l'humain, une petite antenne comme ça, c'est bien passé, comment il ne s'arrache pas de la voiture. Oui, tout à fait, mais bon, après, écoute, je ne sais pas si chez vous, mais ici, il y a des orages qui se profilent à l'horizon un petit peu, là. Il fait lourd, et je vois à l'horizon, là, c'est sur la hauteur, hein, chez moi, hein. Sur les hauteurs, là, ça, à l'horizon, on voit que c'est bien nuageux et je ne sais pas, ça va. Je ne sais pas si ça va pas tester ça demain ou dans la nuit. Bon, j'ai des news. Ok, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a pris le micro aussi. Bon, ok. Bon, alors pour ceux qui verront la vidéo, ils auront la chance d'avoir vu un OM avant vous, H3Coup. Donc, il y a un OM qui va arriver tout à l'heure dans le QSO. Et il faut que je baisse le ton parce que je gueule dans le micro. Et là, il est au gastro. Voilà, je viens de l'avoir là, je viens de l'avoir à l'instant. Donc, le temps qu'il fasse son gastro, et il arrive. Ok, j'ai pas vraiment, on peut pas dire que j'ai entendu quoi que ce soit de mon côté. Ouais, désolé. Les 73, Xavier, si toi de ton côté t'arrives à m'entendre. Ok, c'est bon. Là, on a quelqu'un d'autre parmi nous. Ok, je vais lui passer le micro. Vas-y, Gilles. Attention, ici 9, bravo. Charlie 555, j'ai sur Gatineau. On est en stand-by, QSL. Salut, Gilles 73, Eric Vardon. J'espère que tu vas bien. Vas-y. Oui, QSL, Eric, là, fait plaisir d'entendre ta voix, mon ami. Là. Je vois que tu te portes bien aussi. Là, j'écoute les vidéos du 27, là, tous les vendredis ou les samedis. Là, puis je vois que tu te portes bien, mon ami, à toi. Oui, ça va. Ça aussi, c'est pas très bien. Il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir de t'entendre. Et puis j'espère que de ton côté, sur la silo, les petits problèmes se règlent. Voilà. Et de retourner le micro à merci. Ah ben je salue la 9e division, les petits cousins. Je te salue, Christian Bordeaux, 73 à toi. Vas-y Gilles. 73, 51, Christian. Ça fait plaisir de t'entendre en fréquence, mon ami. Ça fait quand même un bon petit moment là.
avec la 1 kW, là, ça passe bien chez toi, à toi. C'est pas 1 kW que tu dois avoir, c'est 100 kW pour arriver aussi fort du Canada cette saison. Écoute, ça fait plaisir de t'écouter. Moi, j'entends tes copains là qui sont indicatifs sur le 20 mètres. Alors, il n'y a pas de problème à vous écouter. 60 ans à vous tous. Vas-y. Oui, PSL, mon ami, ça fait toujours plaisir de vous entendre. Je vois qu'avec Rémi, vous manquez pas de... Vous ne manquez pas de modulation là, de votre côté. QSL, Christian? Oui. Oui, c'est très bon de ton côté, mais je pense que les copains n'ont pas de problème à t'écouter. Mais on a, nous avons un réémetteur de qualité à Bordeaux. Vas-y. Oui, QSL, ben, la propagation, tu vois. Ben, des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Mais on est très content de vous entendre en fréquence. Là. Ça fait quand même un bon moment là, qu'on... On ne vous a pas entendu en fréquence, QSL? Oui, mais courant septembre, là, si la propagation nous aide un petit peu, on arrivera peut-être à vous réécouter, avec plaisir, bien sûr. Hein. Là, cette année, on n'a pas été trop gâtés. 10 mètres, 11 mètres, ça passe pas. Ça passait que sur le 20 mètres. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Bon, mais je laisse ma place au suivant. Vas-y. Oui, QSL. Écoutez, moi, je ne veux pas monopoliser la fréquence. Là. Je vais laisser la chance à Rémi, là, à les 73-51 à Rémi aussi. Là. Et QSL? Ouais, mais Gilles, tu peux, au contraire, hein, profite de l'occasion là, pour rester avec nous. Oui, QSL, là, mais parce que je voulais voir s'il n'y avait pas d'autres stations qui voulaient rentrer en fréquence aussi là, pour en profiter, là, Rémi, là, QSL. Ok, en avant les stations. Et Michel, pour le contrôle. Je n'ai pas entendu. Et bonsoir Christian, je vous écoute. Et Gilles, 73-51, et gentiment, ce soir, vous avez de la chance. La propagation est bonne. Le système que vous employez. C'est l'opérateur Michel sur le nom Gironde. 73-51, opérateur Michel, sur le nord de Rome, si j'ai bien noté. Ben, ça fait toujours plaisir de vous entendre, Michel. Gilles sur Gatineau vous envoie toutes les salutations, mon ami. T'as eu QSL, alors, zut, Michel. Ok, ouais, Gilles est en train de nous montrer là, une petite vue d'ensemble de chez lui. Oh, joli le micro. Ouais, hey, ton micro là, cache-le parce que sinon je vais te le voler. Hachi. Retour Eric pour Gilles. Ok, mon petit Gilles, écoute, j'espère qu'on cuira, tout va bien, la petite famille aussi. Et c'est vrai que, comme disait Christian, j'espère qu'en fin d'été, là, vers septembre, là, qu'on puisse se recopier comme avant parce que. C'est pas bizarre, c'est vrai que ça manque un petit peu, le petit cousin il manque, hein. Voilà, hein. Allez, retour à toi, Gilles. Oui, QSL, Eric, merci beaucoup de ton. Ben, tu vois, ici, c'est la même chose, hein. La radio, là, la CB, ça a pris une petite chute là, à un moment donné. Et puis là, c'est en train de remonter. Là. Sur la fréquence 625, là, nous sommes beaucoup occupés. Et puis, on a une activité qui s'en vient le 8 et le 9 juillet chez notre ami Jacques, Jacques 829, non trop loin d'ici, environ 5 minutes. On va avoir une activité qui dure toute la fin de semaine, là, avec des pichettes de blé d'Inde. On va faire un barbecue, de la musique, de la guitare, de la chanson. On va jouer à un jeu de fer, toute l'activité, toute la fin de semaine. Et puis, un peu comme l'an passé, là, avec un peu une vente de garage. Ah, il y a un petit bug. Attends, il y a un petit bug, Gilles. Ouais, de ce côté, il y a un souci.
Ouais, ce qui se passe, c'est que lui, par contre, il, si moi je passe par le Wi-Fi, pas lui, ouais. Et. Ah, tiens, ok. Ok, nous revoilà Gilles. Vas-y Gilles. Oui, c'est, désolé, j'ai eu un appel qui est entré en même temps, alors ça a tout coupé ce côté-ci, Rémi. Ok, je pense que j'étais avec Eric, si je me trompe, là, ce côté-ci. Ouais. Le micro, Eric. Ouais, comme je disais, ça va être un peu la java, alors, quand c'est ces petites. Quand c'est petit contest, là, tout ça, donc, ça vous permet de vous retrouver, et puis de vous réunir, et de boire un coup, et de faire un bon gastronomie des liquides. Oui, QSL, QSL, on a très hâte de vous avoir en fréquence. Ouais, on tient un peu la fréquence chaude, là, en attendant que la 14, que la dame Propag nous fait signe, là, qu'elle retourne ça à ce côté-ci, là, Eric, QSL. Ouais, ouais, ça, ça bouge un petit peu. Allez, je monopolise dans le micro, vas-y, Richard. C'est pas à moi, c'est pas mon tour. J'ai qu'un avion qui va, ça y est, je sais pas qui c'est. Ok, ben je vais faire tourner. Ben, oui, wow, ah oui, d'accord, ok. Là, si vous voyez un peu ce qu'il me montre, Gilles. Par contre, ouais, je vois sur la caméra. Alors, attends, si, j'aurais pas mieux, de toute façon. Attends, si, ouais, Gilles, lâche pas, je suis en train de zoomer. Voilà, ok, ok, bravo. Voilà, ok. Il est en train de me montrer une espèce de bestiole, je vous dis que ça, quoi. Ok, retour de micro à toi, Gilles. Oui, QSL, QSL. Mais tu vois, on a toujours la maladie, un peu la piqûre ici, les amis, là, sur la radio. On achète un peu de tout, on vend un peu de tout, on touche un peu à tout, et puis on est en train de se préparer pour la prochaine vague de propagation. Là. Alors, quand ça va arriver ici, là, ça va rentrer comme un boulet de canon là, sur la 14. QSL? Oui, Eric, t'as entendu? Ah, mais c'est pour moi, je n'ai pas compris. Oui, oui, excusez-moi. Ok, est-ce que Florent est de retour? Oh. Ah, zut, excuse, j'ai repris en même temps. Oui, Florent, vas-y. Oui, Florent? Je n'ai pas compris. Retour, Christian. C'est parti, moi. Pardon? Tu as retourné le micro, oui. Mais par moment, je le perds, je ne sais pas. Il faudrait que je monte le centaine de quelqu'un que je dis, bon, on est vacances, on verra après. Oui, mon cher Rémi, répétez la question. Ok, je te retournais le micro. Profite de l'occasion si tu veux parler avec Gilles. Oui, je te demandais, profite de l'occasion pour discuter avec Gilles. Vas-y, à toi, Richard. Oui, bon, je vais laisser ma place. Moi, je lui ai dit bonjour. Moi, je préfère lui parler en direct, mais là, c'est pas possible. Là, évidemment, c'est pas la saison. Ça serait vraiment un fait extraordinaire qu'il y ait une ouverture sur le 11 mètres en direction du Canada, surtout à l'époque où on est. Bien sûr, on sait jamais, tout peut arriver. Mon petit Gilles, moi je ne vais pas me faire plus long, je te salue, et puis à très bientôt sur les courgettes habituelles. Voilà, et je sais que j'entends beaucoup de Canadiens VA2, VE2 sur 20 mètres. Hein. À bientôt, 73, bien bonjour chez toi. Merci Gilles. Merci beaucoup, Florent, les 73, 51, tout ça retourné, amplifié, mon ami. Ça fait toujours plaisir de vous entendre, comme je disais toujours avec Rémi, là, ça nous manque beaucoup aussi, avec aucune station. Là, on a des stations anglophones qui arrivent ici, un peu de la Georgia, Alabama, le Texas, Tennessee, un peu de tout ça, mais aucune station française là, qui nous arrive là, et qui fait un peu triste côté ici, Florent, la QSL.
Michel 100% Gilles. Bon, ben alors je vais laisser ma place à un autre. Content de t'avoir écouté dans des conditions, tu vois, on n'arrête pas le projet. Un gros bec dans votre direction, les petits French Canada. Il t'envoie la bise. Vas-y Gilles. Tout ça retourné, mon ami, tout ça retourné. Gros bisous, puis au plaisir du prochain contact, Florent QSL. Et portez-vous bien, mon ami. Donc, Gilles, ben, bonne santé pour toi. Ouais, bonne santé, il t'a dit. Santé retournée, amplifiée aussi. Merci beaucoup, au plaisir du prochain QSO. Ça fait toujours plaisir. QSL? Si, ça nous fait plaisir, rassure-toi. Il n'y avait pas notre petit voisin, Eric, qui était là. Ça y est, c'est la feuille, il n'a pas entendu. Ça l'a dit? Ça l'a dit donc, les Allemands qui seraient amoureux. Oh, ben dis donc, mais il y a du monde ce soir. Oh oui, du monde, les bonnes 73. Alors, et en plus de ça, on a une propague, un effet de propague surprise ce soir, puisqu'on a même le Québec dans le QSO. Oui, c'est ça que je viens de voir, mais les amitiés en ville au Canada, là, sont pédés en 0-1, sont 5 après de Bordeaux, j'espère que tu m'entends. À toi, Gilles. Oui, QSO, je t'entends très bien, mon ami. 5 sur 5 ici, sur Gatineau, là, aucun souci. Gilles, 9 Bravo Charlie 555, qui te retourne le micro avec toutes mes amitiés amplifiées, mon ami. Ok, Gilles, je te remercie, mais j'avais plaisir d'entendre le Canada. Ça fait un petit moment, justement, je n'ai pas discuté avec le Canada, voilà. Mais si t'as Sylvie là-bas du Canada, ce que j'ai coûté à connaître, je pense que c'est la grande amitié, si elle est toujours en fréquence, bien sûr, voilà. Mais ça passe bien le Canada ici, là, c'est 57 de mon côté, ici, là, sur la France, là, voilà, mon ami, retournez, là. QSL, merci beaucoup pour le rapport de signal. 57, 59 plus 10 ici, là. Et l'audio 5 sur 5, aucun souci, là. Ça rentre comme une tonne de briques, comme on dit, là. Ça pète le feu au Québec, QSL. Ok, QSL, déjà on passe le micro à Dendy, là. On tourne. Ok, merci, les mains sont très secondaires retournées. Il se marre, Gilles, derrière, il se marre. Parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu incroyable, mais vrai, là, ce qu'on fait, là, hachi. Et par la même occasion, là, je fais une vidéo. Gilles, je sais pas si tu vois la caméra, là, dans le reflet de... Parce que je joue avec un jeu de miroir pour arriver à l'attraper sur la caméra. Non, la caméra est mal orientée, peut-être. Non, apparemment, il voit pas. Et il a du monde chez lui. Ah, il me montrait un petit peu le matériel qu'il a. Gilles, quelle est la météo de ton côté là aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, c'est de la pluie. C'est de la pluie ici sur Gatineau. Ce matin, c'était une journée moissade, aucun soleil toute la journée. Mais environ vers 4 heures cet après-midi, 3, même 2 heures cet après-midi, le début de la pluie s'est présenté. Alors, mais c'est la nouvelle année là. On a débuté la saison avec de la pluie, du soleil. Une fois par semaine, on a du soleil, puis le restant du temps, c'est seulement de la pluie ici sur Gatineau, le QSL. Ok, ben par contre, nous, c'est un soleil cuisant avec 35 degrés quand même. Hein. Oui, à qui le dis-tu? J'ai vu la petite photo là, ce matin là, avec le 35 degrés là, à Chi. C'est pas pour nous ça ici, là, j'ai mis encore. Là. Peut-être dans une couple de semaines, là, quand l'été va être fini, là, on va peut-être avoir une présentation du soleil, là, QSL. Ok, QSL, je fais un retour de micro sur Michel. Oui, Gilles, mais quand la propagation va arriver, vous disiez qu'il va y avoir des ventes. Eh bien oui, mais ça, c'est là où il y a l'inconvénient. Parce qu'en après, il va y avoir de l'embouteillage. Et bonjour. QSL, Michel, ben, tu vois ici, on a eu beaucoup de pluie dans l'automne,
Et puis, tout l'hiver, de la pluie, beaucoup, beaucoup de neige, pas beaucoup de froid. Et puis, le printemps, encore beaucoup de pluie. Alors, on a eu des dégâts d'eau ici, là, des gens qui se promenaient en canot dans les entrées, dans leurs rues. Et puis, un peu de tout, là, des sinistres, là. Des gens sortis complètement de leur maison, là, sans habitat, là, sans habitat, là. Le vrai désastre ici sur Gatineau, là, Michel. Puis, c'est le retour au micro à toi, mon ami. Oui, oui, j'ai des amis qui m'ont signalé qu'ils avaient été obligés de quitter la maison tellement qu'il y avait l'eau là-dedans. Heureusement que c'est assez rare quand même dans votre secteur. Car ben, la preuve, ça arrive aussi. Oui, QSL, QSL. Je pense qu'il y a une autre station qui s'est manifestée, Michel, avec ta permission. Je vais envoyer le micro à notre ami Rémi pour qu'il puisse prendre le contrôle de la fréquence. Puis je vais me mettre sur le côté en attendant. Là. QSL, à toi Rémi, le micro. OK, on a une station qui s'est signalée. Oui, c'est toi Christian, je crois, qui t'es signalé. Que Mario, qui est un amoureux des contacts longue distance, ne soit pas là. J'ai vu que notre ami du Canada était en train de parler avec. Je ne sais plus qui c'est qui parle avec lui. C'est Patrick, je crois. Non, Michel. Oui, à part Mathieu, ouais. Ah. Que je salue au passage. Cochon portable. Ok, Christian, pas de problème. Ça veut dire de faire de t'entendre. C'est oui. Retourné. Nous avons un grand réémetteur sur le nord de Bordeaux là, qui fonctionne bien, il attrape un peu le Canada à l'été. Hachi, trois coups. Je crois que Gilles la veut passer en QRT. Tu 5 minutes, tu me dis, je sais pas, ou tu veux QRT complètement, je sais pas, dis-moi Gilles. Ben, non, je vais rentrer pour un autre 5 minutes tantôt. Dans 5 minutes, je vais revenir là. Je vais prendre un petit 5 minutes pour laisser aller mes amis. Alors que QTH, là, et puis je vais reprendre en fréquence là, d'ici 5 minutes, le QSL. OK, tu restes en contact ou tu coupes? Je vais couper pour le moment, là, pour être 5 minutes, puis je vais revenir en contact après. OK, ça marche. Bon, d'accord, Gilles fait un QSY là, de 5 minutes et il revient après. OK, Gilles. C'est Patrick là. Avec quoi vous fonctionnez actuellement au niveau antenne et émetteur là, sur le Canada là-bas? Alors, il n'arrive pas à QRT. Comme quoi, toi, la radio le démange. Chie. Alors, non. Alors, là, c'est beaucoup moins glamour à expliquer. Alors là, on passe via le message perso vidéo en message perso sur Facebook. Voilà. Donc, j'ai branché un haut-parleur externe, un haut-parleur amplifié externe sur mon téléphone. Donc là, qui est branché là sur le Wi-Fi. Hop, voilà, ça y est, il a coupé. Et alors, attends que je... Parce que là... oui, OK. Voilà, ça c'est envoyé. Voilà. Donc, ouais, je répète, j'ai un haut-parleur amplifié qui est branché sur le téléphone en Wi-Fi sur Facebook. Et on passe via le truc vidéo de message perso, quoi, sur Facebook. Ouais, je m'explique mal, mais essaie de décortiquer ça dans tout ça. Et le système est très simple et c'est vrai que ça aurait été mieux par antenne. Si c'est pour faire l'amour, c'est aussi là, j'ai lui pareil, il y a de quoi ça l'envoie. Chie trois coups. Ça s'entraîne, il y a un peu de temps, avant ça, la bande de soirée, puis un peu de temps, quand même. Donc, il y a une bonne soirée à toi. Comme j'ai appris que tu vas repartir à l'école, tu vas être pensionnaire. Il y a Eric qui est en train de passer QRT. Je vais te le passer. Ok Eric, il y a... Oh zut. Il y a Gilles qui est de retour. Je te le passe pour qu'il puisse t'envoyer les 73. Vas-y Gilles.
Oui, Eric, je t'envoie le 73-51, mon ami. Merci beaucoup du sympathique QSO. Ça m'a fait très plaisir de vous entendre en fréquence, Eric. Et puis, au plaisir du prochain. Et puis, porte bien, mon ami, jusqu'à temps que Dame Propag soit fidèle au poste. QSL, Eric. 73-51-88, mon ami. Ok, très rapidement. Merci, Eric. Ciao, ciao. Ok, tu vois bien, là, Gilles? Tu vois bien? Ah, c'est Florent, je crois, ouais, c'est moi qui avais oublié Florent, 73, la veille. C'est bon là? Ok. Ok, bon, Gilles est de retour parmi nous, comme si vous avez entendu. Ok, donc, qui veut parler avec Gilles, justement, profitez-en. Oui, Gilles, c'est Patrick, là, qui est un bar. Je voulais te demander de ton côté, avec quoi tu trafiques? Je t'ai posé la question tout à l'heure, mais bon, c'est pas le temps. Avec quoi tu trafiques au niveau émetteur, et puis qu'est-ce que tu as commencé là, pour repasser aussi bien là-bas depuis Canada en retour? Oui, QSL, QSL Patrick, 73-51, mon ami. Si je pratique avec un LG, un G3, LG G3, le QSL. Ok, mais c'est pas, je ne connais pas cet appareil. Il est mort de rire. Il est plié de rire. Il vient de te citer son téléphone. Hachi pour pouvoir être en vidéo en conférence, ouais c'est un peu ça là devant le 7009. Je te le repasse. Vas-y Gilles. Oui QSL Patrick, tu vois, ici c'est du téléphone mon ami, c'est du téléphone dans la vraie expression. Le QSL à toi le micro. Oui, bien, ce que j'ai, c'est le téléphone, mais très bien, mais moi, je trafique avec un autre TS2000, un DSP, voilà. Il est équipé satellite, mais moi, je ne suis pas équipé satellite, mais enfin, bon, je peux faire des satellites avec, hein, voilà, et puis là, c'est une 2016, le 16 radian, là, une SRT 2016 que j'ai actuellement sur le sol, là, à peu près à 8 mètres du sol, là, voilà, au niveau des radians, voilà. Mais bon, ça passe bien ce soir, c'est impeccable, c'est bon, c'est super bien, mais j'ai pas de radio, impeccable. Oui, QSL, merci beaucoup du retour. Oui, c'est ça. On triche un petit peu, sinon Dame Propag nous en prive un peu. Là. Alors, on en profite dans tous les moyens ce côté-ci, là, pour le Québec avec la 14, là, grâce avec les modernités de la vie, surtout sur le côté de Rémi. Rémi Dundee, là, la machine, la pieuvre, comme on appelle la QSL. Oui, d'accord, ok, ça m'a dit, oui. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends le plus actuellement sur le Québec-Canada depuis le mois de janvier, là, enfin, jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu entends de le plus? De quel côté ça passe le mieux de ton côté là-bas? Oui, QSL, ici Patrick, là, depuis le mois de janvier, je dirais qu'on a un peu d'espagnol. C'est ainsi dans la bande de 1 à 40, dans le 27 MHz, 285, pardon. C'est des langues anglophones, la Georgia, Alabama, le Texas, le Tennessee, ainsi de suite, le New York. C'est des stations anglophones seulement qui arrivent ici, là, sur Gatineau. Là. QSL, Patrick, à toi le micro. Ok, affirmatif. Oui, ben oui, ben, j'ai bien compris, c'est l'Espagne et puis New York, tout ça, oui. Ben oui, ben c'est le Canada, oui. Oui, ben c'est sûr, peut-être la proximité qui est plus près au niveau de New York et tout, ouais, c'est sûr. Mais nous, ici, de notre côté, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas entendu le Canada et puis ça fait un bail, bon, personnellement, que je l'ai passé, voilà, depuis Florent, pratiquement, ça fait au moins 10 ans, quoi. Oui, vas-y, là, que j'ai pas du Canada. Mais d'habitude, avant, ça passait bien. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où il y avait une période où on attendait, parce que tous les soirs au Canada, on avait fait des cuissons internationales avec pas mal de monde à l'époque. Mais maintenant, c'est vrai que c'est un peu un frein, voilà. Non, après, tu me diras, bon, on a cette occasion aussi, comment dirais-je, il faut être à l'heure sur les bandes de fréquence pour pouvoir faire des bandes cuissons, c'est toujours pareil, voilà. Moi, j'ai mon copain qui me disait qu'il a fait la Martinique, qu'il a fait pas mal de trucs de Guadeloupe, là, il y a deux jours, aujourd'hui, pas mal. Ça dépend des QRA aussi peut-être, puis bon, c'est vrai qu'il avait des orages cet après-midi là-bas, dans les Pyrénées. C'est vrai que peut-être
temps, mais ça arrive, voilà. Et puis la Belgique qui ralentit le plus, là, mais après le reste, c'est pas évident. De temps en temps, peut-être là, les îles là, au niveau des Amériques, au milieu, là, à côté, là, mais la Martinique, tout ça, mais pour moi, on a eu la Réunion qui passe aussi de fois, quelques fois aussi, la Réunion qui passe assez bien là, dernièrement. Mais bon, c'est tout, hein, retour. Oui, QSL, merci beaucoup du retour, Patrick. Moi, je ne vais pas me faire trop long parce que je dois recharger la batterie ici du LG G3. Là. Elle a été allumée toute la journée, pratiquement toute la journée ici. Il faudrait que je m'installe à nouveau avec la prise du 120 ici là, pour reprendre en fréquence pour se faire la suite du QSO national. Patrick, QSL? Oui, ça m'a dit, oui, mais c'est sûr, il faut avoir le temps aussi, voilà, pour moi je suis là en tête, maintenant j'ai le temps, mais enfin bon, mais encore j'avais pas trouvé le temps, alors c'est ça le problème. Voilà, mais oui, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se rentendre ici, là, de bonnes conditions avec tous les copains ici, là, sur Bordeaux, bien sûr. Oui, QSL, ben oui, bien sûr, mais la propagation, ça elle va revenir bientôt, là, parce qu'on peut voir ici qu'avec le DX qu'on a sur la langue anglophone, là, qui commence quand même à finir par moment ici à 7h, à 8h PM là, dans l'après-midi ici, qui se trouve à l'être quoi, 20h, qui finit par 20h ici le soir. Alors quand la propagation est bonne pour la 14 avec la 9, alors la DX ici anglophone se termine vers les 10 à 11h le soir, là, alors qu'il veut dire 23h sur Gatineau, là. Alors, quand tout ça va tourner sur ce côté-là, je suis pas mal certain que la propagation, on va avoir des ouvertures avec la 14 QSL. Oui, affirmatif, oui, mais j'espère qu'on aura l'ouverture, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai qu'actuellement, là, on est en train de remonter dans les sondages, parce qu'au niveau propague, là, actuellement, on est en train de remonter, là, parce qu'on disait qu'il y avait 12 ans en descendant et 12 ans en montant, donc je pense qu'on est en train de remonter, là. Bon, c'est vrai qu'actuellement, bon, en faisant beaucoup d'écoute, là, j'entends pas mal de trucs qui se passent, là, et c'est vrai que c'est un peu plus... il y a plus de radios qu'il y a un an et demi, deux ans, là, avant, là, c'était pas terrible. Bon, après, il y avait de la radio, moi, je suis haut, parce que, bien sûr, les gens sont en vacances, alors c'est là où ça fonctionne le plus, mais après, on n'entendait plus rien, quoi, ça s'arrêtait, voilà, retourner, là. Oui, QSL, c'est ça, je crois que l'an dernier, nous étions dans le trou, là, dans le trou total, là, de la chute de la propagation, et puis je pense que cette année, on a commencé à remonter, là. Alors, moi, je dis qu'une autre année, là, deux ans, là, on va avoir eu quand même plusieurs contacts là, avec la 14 qui va commencer à faire des ouvertures. Parce que c'est des fois, c'est tout court. J'ai eu la Jamaïque, là, environ deux mois passés. J'ai eu la Jamaïque ici. Mais depuis la 196, une fois ou deux. Et puis depuis ce temps-là, c'est juste des stations anglophones. Là. C'est simplement que l'anglophone fait qu'à soir, ça fait toujours... C'est toujours plaisir d'avoir des contacts avec la 14 grâce à Rémi, la QSL. Oui, QSL, oui, mais avec grand plaisir, voilà, c'est sûr, on a l'occasion. Bon, j'ai pas monopolisé de ce micro quand même sur une bande où il y a des copains aussi. Je vais repasser le micro à Christian, là, s'il veut faire quelque chose. Retour, Christian. Oui, il est parti. Ben, Rémi, retour. Ok, Gilles, au niveau station, je parle de la vraie station Sibine, qu'est-ce que tu as là maintenant là, chez toi là au QIRA? Avec quoi tu modules là au QIRA avec les Québécois? Ici, là, la station que j'utilise en ce moment est pratiquement la même station que j'avais dans l'an passé, excepté au lieu d'avoir la DX, la RCI, 2950 tout court. Là. L'an passé, j'avais la 2950 Delta X-Ray. Maintenant, c'est la 2950. Mais en Alpha Mic, j'avais la 101 Thunderbolt lumière à lampe ici. Et puis, pour l'année à suivre, là, quand la propagation va être de retour au poste, je vais être avec la lumière Eagle 515 avec 5 lampes à l'intérieur, là, 1 kW et plus. Là.
Alors, je crois que ça va être du téléphone quand la dame Popag va nous faire l'ouverture QSL. OK, QSL. Et au niveau antenne, tu es toujours avec la même? Oui, ou tu as changé? Et c'est laquelle déjà tu as? La même installation aussi sur un pylône, on appelle ça 60 pieds, qui est quoi, 23 mètres environ, OPL, c'est la IMAX 2000 QSL, et vous? Ouais, QSL, putain, j'hallucine quand je vois des hauteurs pareilles, moi. Oui, ben, ici, on a des interdictions, hein, c'est supposé être 49 pieds divisé par 3, qui donne quoi, 14 mètres, qu'on serait supposé avoir ici 14 mètres en limite. Alors, moi, j'ai fait une tentative à 14 mètres au début, et puis sans aucune autorisation, et puis ça a passé pour la première année. Alors, ce que j'ai fait l'année d'après, j'ai descendu l'antenne, et puis j'ai remonté deux autres pièces de pylône, et puis j'ai remonté tout ça sur un poteau qu'on appelle un poteau d'environ 12 pieds, et puis ça m'a donné environ ça, le 23 mètres OPL. Et puis le bout de l'antenne ici, là, 94 pieds divisé par, je donne, 31 mètres au bout de l'antenne, le QSL. OK, Patrick, voilà, je crois que tu as ta réponse. Oui, ça m'a dit, oui, mais je vois, oui, mais c'est un appareil à lampe, oui, c'est pour ça que j'ai écouté la qualité du son qu'il a, il est très belle qualité, mais on voit que ça pousse derrière, voilà. Donc, oui, la lampe, ça ne m'étonne pas, oui, je sais, c'est à lampe. Ça fonctionne très bien, oui, ah, mais ça change, hein, c'est sûr, hein, voilà. Moi, j'en ai pas l'appareil à lampe, c'est normal, mais à l'époque, c'est vrai qu'on faisait des dégâts à lampe, il y en a beaucoup qui les ont balancés, c'est passé à la poubelle, il y en a d'autres qui les ont gardés, mais bon, c'est vrai que ça a une meilleure, ça a toujours une meilleure qualité de son, et de puissance, surtout la puissance, ouais, parce que ça limite pas mal, ouais, c'est alternatif. Hein. Mais je suis content pour toi, Gilles, d'avoir dit bon matériel comme ça, garde-le, parce que ça fonctionne très bien, et ça a une très bonne qualité, mais on sent quand tu parles que... Tu parles, on dirait pas que tu es au Canada, moi j'ai plutôt l'impression que tu es, je sais pas moi, 500 km à tout casser, mais pas plus quoi. Mais ouais, ça fait une différence quand même, hein, c'est vrai. Voilà, retour dur. Et QSL, Patrick, merci beaucoup du retour. Ben, c'est ça, là, c'est la distance. Tu vois, le matériel est quand même un très bon matériel, le LGG3, ça fonctionne très bien. Et puis je vois que sur la 14, vous avez quand même très bon matériel aussi là, en réception. Là. QSL, Patrick, assis-toi au coup. Oui. Ben, moi, je me plains pas, hein. Je me plains pas avec le matériel, c'est bon. Voilà. Ben, moi, je pratique avec. Là, je suis à 80 watts là, avec le DK qui est devant, là. Mais bon, c'est pas à lampe, bien sûr, mais bon, ça fonctionne bien quand même. Je me plains pas, voilà. C'est un très bon appareil. J'ai fait un investissement en neuf. Hein. Et depuis que je l'ai, là, oui, il a quand même 10 ans déjà maintenant. Hein. Bon, ça commence à tourner. Bon, dessus, il y a toutes les bandes, plus il fait que le mètre aussi, donc le 2 mètres, le 430, le 50 mégas, il fait tout quoi. Il y a uniquement le 1200 que j'ai pas, parce qu'il faudrait faire installer une carte son dessus, mais bon, j'ai le système pour mettre ça prise normalement, mais il faudrait mettre une carte son dessus, voilà. Donc ça, pour l'instant, et après, là, il serait complet, si j'avais le 1200, ça serait bien, voilà. Mais bon, pour l'instant, on fait avec ce qu'on peut, hein, et puis pour faire ce qu'on fait, ça suffit largement, voilà. Oui, QSL, merci beaucoup du retour. Écoute, Patrick et Rémi, et puis toutes les stations qui sont à l'écoute, moi, mon LGG3, je dois recharger la puissance ici, parce que ça va tout couper d'un coup. Alors, je dois mettre un peu sur la charge, et puis si le QSO continue encore pour un moment, je ferai une autre tentative là, pour voir si Dame Propag me le permet. Le QSL, Patrick, à toi. Oui, affirmatif, oui, le QSL, mais il n'y a pas de problème, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une directive, autrement, une 5 éléments, aussi, actuellement, là, bon, voilà, il faudrait genre, que je la branche, et puis elle est descendue, là, mais bon, en général, ça fonctionne bien aussi, voilà. Qu'est-ce que tu as, au niveau antenne, qu'est-ce que tu as, une directive, ou tu as des verticales? Moi, ici, c'est la verticale, oui, c'est ça, la verticale, la omnidirectionnelle. IMAX 2000 QSL. Ok, IMAX 2000, oui, au niveau, d'accord, ouais, ok, ça marche, ça fonctionne bien, ça
antenne là actuellement au niveau radio là. J'ai pas bien noté mon ami. Ton antenne a fait combien de dB hein? Oh là là, je sais pas, c'est une bonne question, Rémi. Je sais qu'elle est plus forte que la Entron 9.9. 9.9 dB, j'imagine qu'elle doit être un peu au-dessus du 10 dB, la QSL. Ok, d'accord. Ok, oui. Donc, ça va se faire à clon, c'est 9,9 avec tous les radiants et tout. Hein, voilà. Après, c'est avec les radiants, oui, c'est 9 dB, je passe en radiant vertical. Après, mais dans les 3 radiants, ça monte un peu plus, oui. Oui, c'est massif, oui. Ouais, parce que c'est important, ça, les dB, voilà. Mais ça y fait aussi, voilà. Mais c'est tout bon, hein, voilà. C'est tout bon. Et au niveau hauteur, elle est placée à combien par rapport au sol, ta antenne, là? 22-23 mètres, là, au PL, là. Au connecteur, là, de l'antenne, là, 22 à 23 mètres du sol, le QSL. Ah, ok, 22-23, ok. D'accord. Ah, ben, c'est bien, oui, c'est qu'un gros, quand même, ouais, c'est bien. C'est pas mal, oui. Ben, nous, ici, là, bon, le QTA, 5 après, déjà, c'est super haut, déjà, au niveau de Bordeaux, donc, c'est déjà un QRA très haut, là où je suis. Après, bon, l'antenne, c'est une maison à étage, donc, il y a déjà un étage, plus après, j'ai mon antenne dessus, quoi. Donc, en tout, là, elle démarre à 7-8 mètres, l'antenne, là, actuellement. Plus le bras qui fait 6 mètres et des poussières que j'ai réglé, 6 mètres 80, ouais. Donc bon, ça fait haut quand même. Et encore je peux la monter de 1 mètre parce que le tube, j'ai pas monté mon tube assez haut et je peux la monter encore de plus d'un mètre. Donc si je veux quoi. Donc ben là bon, vu que ça passe bien, pour l'instant c'est comme ça quoi, on verra. Oui, QSL, mais il n'y a pas de souci là. Écoute, avec ta permission, moi je vais faire. Je dois couper ça un petit peu là, avant que tout arrête d'un moment là, ici. Là. Avec ta permission, je vais envoyer le microphone avec Rémi pour faire la finale. Puis moi, je t'envoie le S73-51 et puis 88 avec les XYL si possible. Avec ta permission, et puis au plaisir du prochain QSO, Patrick. QSL? Ok, QSL, il n'y a pas de problème, mais toutes mes amitiés à toi, les 75 et 80 dans tout le cas familial, avec tous les remerciements de la France, voilà, de tous les amis qui écoutent, et puis tous les amis qui sont là, avec Christian, Rémi, voilà, Michel de Blaye, voilà, c'est moi-même, et Eric qui est parti, voilà, mais toutes mes amitiés à toi, et au plaisir de te rentendre à la retour, Rémi. Ok, merci pour le retour du micro. Donc là, Patrick, pour l'occasion, on utilise quand même un relais, hein, c'est le relais Internet. Hein. Voilà, et tu pourras découvrir ça dans la vidéo. Donc Gilles, les bons 73-51 à toi. Bonne fin d'après-midi. Ouais, vu l'heure chez toi, ça doit être ça. Et je te dis à très bientôt, Gilles. QSL, merci beaucoup Rémi, puis merci beaucoup pour cette vidéo et puis m'avoir donné la chance de pouvoir entrer dans le QSO national. Et ça fait très grand plaisir, ça touche au cœur. Et puis grâce à toi ici, la radio, ça reste en vie parce que les gens ont très hâte d'entendre la 14 avec toutes les vidéos qu'on a sur le site des Tanins. Les gens voient qu'il y a de l'activité sur la 14 et que ça ne manque pas. Merci beaucoup Rémi, 73-51. Avec ta permission aussi, 88 pour l'XYL. Excusez-la si je m'enfarge dans mes mots. Et puis, au plaisir du prochain QSO, j'ai très hâte de voir cette vidéo, Rémi. À toi, mon ami, pour la finale. Ok, merci. Les bonnes sur 13-51 à toi et à très bientôt, Gilles. Retour de micro, qui voudra le prendre pour la fin du QSO? Parce que moi, c'est pareil, là, je vois l'heure, je vais passer à QRT. Gilles, chez nous, là, il est 11h-20 PM. Voilà, ou 10h40 PM, si tu préfères. Voilà, retour à qui voudra prendre le micro du côté de la 14. Oui, c'est Michel qui reprend. Gilles, vous êtes toujours là? Ouais, toujours là. Quand j'entends parler de tout ce matériel, oh, quel silence, comme chaud à poudre en l'air. Moi, je n'ai qu'un type 114, et comme antenne, elle est en bambou. C'est une quatrième élément en bambou. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Oui, mais ça
fonctionne toujours bien, Michel. Ça fonctionne toujours bien entre soi ici, 5 sur 5. Là. Aucun souci. Ça fait toujours plaisir de t'entendre en fréquence aussi, le QSL. Oui, Gilles, parce qu'il y a longtemps qu'on a fait nos premiers QSL, oui. Quand les pauvres vieux qui avaient déménagé, là, j'ai perdu son prénom. Mais c'est souvent que vous venez nous trouver. Mais moi aussi, j'ai fait comme le pauvre vieux. Je ne sais pas s'il a cassé sa pipe. Hein. Sa femme était gravement malade, je sais. J'avais tout vendu et déménagé pour être en ville. Mais moi aussi, je ne rajeunis pas. J'arrive aux 80 piges. Alors le pauvre vieux, il fait moins de radio qu'il en faisait. J'ai pas noté celle-là, là. Tu peux me faire un relais, Rémi? Oui, zut. Michel, tu peux répéter, s'il te plaît, Gilles. Putain, j'arrive plus à trouver mes mots, moi. Gilles n'a pas eu Roger. Ah, ok. Mais c'est peut-être moi qui appuie pas bien sur le bouton, je ne sais pas. Oui, je disais, Gilles, que ça remonte à des armées, nos premiers contacts. Avec toute l'équipe des amis là, avec le pauvre petit vieux là qui allait à la pêche sur les étangs gelés et tout. Et j'ai perdu son prénom. Mais tout ça ne me rajeunit pas. J'approche les 80 ans, Gilles. Alors vous savez, ça va plus comme à 20 ans. Allez, retour à vous et puis la bonne soirée. Et merci d'être venu nous trouver. Un plaisir, Michel, n'y a pas de souci. Et puis quand la propagation va être là, on reprendra tous ces QSO sans problème. Là. Puis ça fait toujours plaisir de vous entendre, Michel. Et puis pour une personne de 80 ans, là, je vois que vous vous portez bien aussi. Là. Moi, je dois vous quitter parce que ça va couper ici. Alors, je vous envoie les 73-51 et toutes mes amitiés, Michel, à tout l'ensemble du groupe au QRA. La QSL? Michel, merci et tout ça retourné de votre côté. Merci beaucoup Rémi. 73-51 à toute la fréquence du 27 de QSO National. De 9, bravo. Charlie 555 Gilles sur Gatineau. Merci beaucoup Rémi. À toi pour la finale, mon ami. Merci à toi aussi d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir dans le QSO. Et je te dis à très bientôt, Gilles. À très bientôt, mon ami. Ça fait toujours plaisir, Rémi. À 73-51. À bientôt, mon ami. Ciao, ciao. Ok, tout ça retourné. Ciao, ciao. Et Rémi, merci, tu m'as fait rajeunir le 15. Eh bien, disons que j'ai un petit... Ah, oui, Gilles. Ça, c'était bien, qu'est-ce que Michel vient de dire. Mais oui, merci. Disons que j'ai un petit peu copié sur toi par rapport à ce que tu nous faisais découvrir le dernier coup avec Michel de Toulouse. Oui, Gilles, Michel, t'es toujours là? Ok, voilà. Ouais, je disais que là, le procédé là qu'on a fait ce soir, ben, c'est ni plus ni moins où ça ressemble à ce que tu as fait, à ce que tu faisais là pendant un temps avec Michel de Toulouse. Sauf que là, moi, c'est, je sais plus par quoi tu passais. Moi là, je suis passé par Facebook, c'est-à-dire par le Messenger de Facebook, en lançant la discussion par vidéo, quoi. Ah ça, c'est du Radio 5. Hein. Là, c'est bien passé ce soir.
Alors, je sais pas, Gilles, apparemment tout le monde l'a bien entendu. Je suis un petit peu étonné parce que moi ici, par contre, c'était assez, assez moyen. J'avais l'impression que ça grésillait un petit peu presque sur les bords. Et donc, le micro a dû compenser pour que ça soit mieux, quoi. Qui est arrivé là maintenant là, parce que je l'entends moi, mais bon, c'est vrai que c'est pas une grande puissance. Ah oui, non, mais c'est un autre système, Patrick. C'est moi qui le reçois par un autre système. C'est Michel sur Toulouse. Ah ok, Michel sur Toulouse. Ah d'accord, ouais, ok, d'accord. J'ai compris. Ouais. Non, j'étais assez étonné. C'est bizarre quand même parce que la qualité du son est pas la même. Mais je te signale que quand il y a un peu de propagation, avec Michel de Toulouse, en direct, parce qu'il est très très bien équipé, et en direct, 53-54, une fois j'ai mis au C, on discutait à la radio, j'avais monté mon système internet, et il s'entendait parler sur son système internet chez lui à Toulouse. Putain, il dit, je passe le siphon chez toi, mais non, tu entends comme ça arrive, alors t'as qu'à voir. Il y a un couloir sur Bordeaux avec l'endroit où il se trouve sur Toulouse et qui est formidable. Même quand il n'y a pas beaucoup de propagation, en général 52-54 avec Michel de Toulouse, on est toujours en contact. Et on se met horizontal vers l'horizontal, et on se met nez à nez, c'est le cas de dire, et ça fonctionne très bien. Un jour ou l'autre, tu l'entendras. On n'est pas toujours sur ces fréquences-là, mais des fois il est sur le canal d'appel ou à côté. Mais on verra, comme des fois il met ce fameux système-là, tu l'as entendu, son relais en route, comme à ce moment-là je verrai la fréquence, si on se confie, on aurait la fréquence sur laquelle il est branché. Et on s'y mettra tous les deux, on verra bien. Ok, puisqu'il y a un grand blanc, pour ma part, j'ai passé QRT. Les bonnes 73-51 à vous tous, et merci pour ce QSO. Et merci à toi, pour tout ce que tu as fait, parce que là, vraiment, ça, c'était sensationnel. Pour reconnaître que c'est un joli cadeau que tu nous as fait, là. Alors, et merci toujours, et sur ce, le bonsoir, et peut-être à demain, tout va bien. Eh bien, même si tout ira bien demain je serai au pro. Voilà, je rattaque encore là pour un week-end de pro. Donc, eh bien, par contre, je pourrais vous écouter quand même. Peut-être que je ferai une petite apparition très bref, comme le week-end dernier, comme le week-end d'avant. Oui, là, petit coucou, j'avais toujours plaisir. Ok, les 113-51 à tous, Patrick, les autres stations qu'il y a derrière. Et bon week-end. Ok Rémi, toutes mes amitiés à toi, bien content d'avoir entendu ce soir, ça me fait plaisir. Bon, si t'as enregistré, ça serait content aussi que je sois...